Oh. Read each column down, keeping the same intonation pattern. A. Da da da. A B C. 1 2 3. Dogs eat bones. Next column B. Da da da. Imprecise. A hot dog. They eat bones. C. Da da da. Condition. A hot dog. They eat them. D. Da da da. Alphabet. Hot dog stand. Give me one. Staircase intonation. So what is intonation in American English? What do Americans do? We go up and down staircases. We start high and end low. Every time we want to stress a word or an idea, we just start a new staircase. That sounds simple enough, but when and where do you start a new staircase? Statement intonation with nouns. Intonation or pitch change is primarily used to introduce new information. This means that when you're making a statement for the first time, you'll stress the nouns. Dogs eat bones. Exercise 1-2. Noun intonation. Practice the noun stress pattern after me using pitch change. Add your own examples at the end. 1. Dogs eat bones. 2. Mike likes bikes. 3. Elsa wants a book. 4. Adam plays pool. 5. Bobby needs some money. 6. Susie combs her hair. 7. John lives in France. 8. Nellie teaches French. 9. Ben writes articles. 10. Keys open locks. 11. Jerry makes music. 12. Jean sells some apples. 13. Carol paints the car. 14. Bill and I fix the bikes. 15. Ann and Ed call the kids. 16. The kids like the candy. 17. The girls have a choice. 18. The boys need some help. Pause the CD. Practice the patterns 5 more times on your own using your rubber band. Statement intonation with pronouns. When you replace the nouns with pronouns, old information, stress the verb. They eat them. As we have seen, nouns are new information, pronouns are old information. In a nutshell, these are the two basic intonation patterns. Dogs eat bones. They eat them. Exercise 1-3, noun and pronoun intonation. In the first column, stress the nouns. In the second column, stress the verb. Fill in your own examples at the bottom. 1. Bob sees Betty. He sees her. 2. Betty knows Bob. She knows him. 3. Ann and Ed call the kids. They call them. 4. Jan sells some apples. She sells some. 5. Jean sells cars. She sells them. 6. Bill and I fix the bikes. We fix them. 7. Carl hears Bob and me. He hears us. 8. Dogs eat bones. They eat them. 9. The girls have a choice. They have one. 10. The kids like the candy. They like it. 11. The boys need some help. They need something. 12. Ellen should call her sister. She should call someone. 13. The murderer killed the plumber. He killed a man. 14. Hello, class. How are you? How was the weekend?
Everybody's fine? Comment nous y est? Comment nous y est? Comment nous y est? Vous connaissez déjà depuis le fait de ça, c'est si tu es mal branché, on dit air qui rentre la caillou, ok? Vous connaissez déjà, c'est un rendez-vous en évaraté, hein? Pendant que chita la caillou, ou couché, ou chita, sous là, hein? Tout janvlé, ou apprend anglais en direct, hein? Très facile, nous pas passer haut, nous passer très bas, débouter là avec nous depuis le commencement, ou après que nous passer très très bas, d'une façon pour tout le monde qui a amusé dans l'anglais sans aucun problème. Ok, préparez-vous. Nous prenons un très bel chapitre qui a rapport avec pluriel, ok, qui a rapport avec pluriel en anglais. Et nous prenons le rendre plus facile pour vous. Ok, Gléas, qui sont pour faire, vous connaissez déjà. C'est aider nous partager pour les capables de vivre sous plus moins, hein? Pour les capables de vivre surtout sous jeunes nous qui a bien amusé sur internet là. Peut-être que vous avez un bagage, vous avez fait un temps, vous avez pris un bagage qui est capable de servir pour demain. Ok? Merci avec vous même qui déjà là, hein? Qui déjà salué, qui déjà dit teacher, moi là. Moi, ouais, nous, qui est là, on nous pousse parce que. Que nous fait 2-3 heures de temps à regarder yon bagay sur internet là que pas pitié nous en yon. Plutôt nous prend une heure de temps et puis nous prend yon bagay côté que nous avons yon grain mot peut-être qu'ap itil nous demain. C'est vraiment important. Parler anglais très important. Hein? Ou ap tande audio. Speaking English is very important. Très important. All around the world. Partout dans le monde là, ok? All around the world. Partout dans le monde, hein? Hein? To buy something somewhere, pour acheter quelque bagaille quelque part dans le monde, là, you have to speak English, ok? Pour faire commencer réseau social marketing, you have to speak English, est-ce que là, hein? Faut qu'on parle anglais, est-ce que là, hein? Pour faire comme le MLM, hein? Qui c'est par exemple pour entrer dans le business online, ou après toute grande conférence, il y a fait en anglais, ok? It's for this reason I am here tonight, always here to help you with your speaking English, okay? Give me only 1 hour, okay? Not too much, 1 hour, okay? Une heure de temps seulement, une heure de temps, on a aidé à faire un paquet de bagaille dans la langue anglaise. J'aime dire là, moi explique yo. Extrêmement important pour le monde, même si vous ne parlez pas anglais dans toute intégralité, mais vous supposez amuser en anglais. Hein? Nous parlons à soya, plural, plural in English, ok? Nous parlons pluriel en anglais, Gléas, parce que former pluriel en anglais, pas seulement ajouter S, hein? Pas seulement ajouter S, mais il y a des choses à savoir. Hein? Des choses que vous devez connaître, Gléas. Nous parlons faire. Il y a un bel chapitre, hein? Bien que lui long, nous pas terminer aujourd'hui, hein? Mais nous allons expliquer lui lentement, parce que nous pas pressé, c'est pour nous faire, hein? Nous faisons un cours sans tout pas à l'aise là-dedans. Vos petits messages vont nous dire, retouchez-le, n'a pas retouché-le pour, ok, Gléas? Thank you for, because you are here with me. Merci parce que déjà là avec. Nous allons parler de pluriel en anglais, hein? Nous allons montrer comment faire former pluriel en anglais. En général, mais nous prenons chaque branche par branche, ok? Merci parce que vous êtes déjà là. On nous partage pour nous faire vivre sur plus jeunes. Jeunes ont besoin de ça, mes amis. On nous prend, on nous retire une idée de ton ambiance pour nous prendre une idée de ton dans sa relève knowledge qui est rapport à la connaissance qui permet de nous grandir. Hein? On nous partage, on nous garde jeudi si nous avons fait vivre sans monde. Il y a une façon pour un message là capable de bien passer. Merci parce que vous êtes déjà là avec. Merci tout étudiant moyen qui toujours là, always, qui toujours là, en nous frappé. Hein? Ouais, formation du pluriel en anglais, ok, Gléas? Normalement, pour former pluriel en anglais, c'est très facile, hein, en ajoutant un S. Mais pas oublier, Gléas, il y a parlé de verbe en anglais, nous disons un verbe régulier, verbe irrégulier, est-ce là, hein? C'est de même pour pluriel. Gagner pluriel régulier. Là, nous dit pluriel régulier. C'est côté nous juste aller dans moi, nous ajouter S, ok? Nous formons à partir de S et S, etc. Hein?
mais gagne pluriel irrégulier aussi. Alright? Nous parlons avec les as des pluriels réguliers en anglais. Mes amis, on nous était là pour nous suivre, petit coup nous, vous comprenez? Oubliez si tu as quelque chose dans le moment, hein? On dit, première façon nous parlons former, c'est en ajoutant NS à la fin du mot, ok? Première façon nous parlons former pluriel la classe, nous parlons ajouter un S dans fin mot. Mais faut toujours mettre ça, c'est pas tout mot en anglais les m'a former pluriel li, m'bra le mettre S là-dedans. Est-ce que nous la classe? C'est pas tout, hein? Gagne un mot m'a mettre S, mais c'est pas tout. Nous pral wè yo normal sans aucun problème, hein? Seulement partager, pas quitter live là, descendre en nous pousser li pour plus devant. OK classe, en nous pousser, hein? On a les classes. Je dis première façon moi ka former pluriel en anglais classe, c'est pendant m'a praler dans moi moi ajouter S, OK? Les ça n'a parlé de plusieurs. Hello Soliane, how are you? Enrique, hein? RB, vous connaissez pour monter, faut faire mon petit signe, hein, dis mon petit hi, mon petit hello, pour me connaître où là, avec, hein, vous connaissez ça déjà, hein, voyez un petit salutation, pendant qu'on va partager live, vous, hein, en nous partager, là, fais-moi un 100 partage au moins, un 110 partage, hein, en faire vivre 100 monde pour venir garder bel travail ça, hein, parce que c'est pas facile, pour nous joindre des jeunes qui disent, y'a fait travail ça, hein, on a les classes. Yo dis, première façon de former pluriel en anglais, c'est en ajoutant S à la fin du mot, hein. Dans fin mot, m'a ajouté S. Par exemple, l'aime nous en ajoutant un S à la fin du mot. Maintenant, fin mot, m'a ajouté S. Exemple, as, si m'dit class, one book. Pluriel, ça veut dire, là, on a parlé de plusieurs. Si m'y a un seul book, class, m'a dit a book. Yon livre, m'a dit a book, ok? M'a vine la class, m'dit, par exemple, a book. Là, combien de livres m'a gagné un seul livre. Est-ce que nous l'avons, Cléas? Si m'vine la Cléas, m'a gagné un phone. Qui c'est téléphone? M'a dit a phone. Là, m'a gagné un téléphone, Cléas. Immédiatement, lui quitte un téléphone, laisse moi rentrer dans plusieurs. Depuis moi dans plusieurs, Cléas, laisse moi dans pluriel. Kounia, qui ça m'a dit, Cléas? M'a dit a phone encore. Mais m'a dit, par exemple, là, m'a dit books, ok? M'a ajouté S, ça c'est la meilleure façon, yo formé pluriel en anglais. M'a allé derrière phone, m'a ajouté S, m'a dit funds, ok? Funds, est-ce que là, Cléas? M'a vu là, par exemple, Cléas, m'a vu là, m'a dit, par exemple, birds. M'a gagné ça qui c'est bird, qui c'est oiseau, hein? Si m'a parlé de yon oiseau, m'a dit bird. Kuna, si ma forme est pluriel pour me parler de plusieurs, m'a dit birds, m'a ajouté S. Est-ce que nous là, hein? C'est façon qui est plus facile pour moun former pluriel en anglais. Très simple. Est-ce que nous là, hein, Glass? Si m'vini par exemple, Glass, m'vini m'dit but, ok? M'dit but. Hmm? Qui c'est bateau, laisse m'gen yon. Depuis m'en gagne plusieurs, pour m'former pluriel dans mon saillot, m'en aller après yon, m'ajoute S, m'di buts. Est-ce que là, Glass? On fait un coup d'œil là. M'di pin. Laisse ça, c'est plume. Immédiatement lié au pluriel, Glass, qui plusieurs plumes. Eh bien, m'di pins. Ok? Avec yon petit son S, m'en dit pins. Ok? En nous partager, mes amis, on fait arriver un 120 partage, peut-être pour nous arriver dans 60-70 mon, hein. Là, je viens de me gagner pen, je dis pins, pluriel, je vais ajouter S, ok? Je dis première façon, je forme pluriel en anglais, c'est aller dans fais-moi, mettez S. Je viens de la classe, je gagne un book, hein, je gagne un book, qui ça me fait? Kounya, pour me parler de plusieurs livres, je dis books, ok? Est-ce là, hein? M'vin la m'gen I qui c'est yeux. Pour m'former pluriel, l'homme seulement à l'après mette S, m'dit eyes. Ok? M'vin la encore class, m'gen but. M'dit pour m'former pluriel, l'homme à l'après mette S, m'dit buts. Est-ce que nous l'avons class? C'est façon qui est plus facile moun former pluriel en anglais en ajoutant un S à la fin, dans fin mot. C'est très facile, hein? Mais on dit qu'il y a des pluriels qui forment de façon différente en anglais, classe. On dit qui pluriel qui différent au classe, pluriel qui différent yo, c'est les mots à terminer par S ou bien mots à terminer par SS ou bien mots à terminer par SH
ou bien moi terminé par CH, ou bien moi terminé par X, ou bien moi terminé par Z. Ok? On suit bien. L'aime bien un mot qui termine par S class, qui termine par SS, qui termine par SH, qui termine par CH, qui termine par X ou bien par Z. Pour me former pluriel dans mot sa classe, moi pour aller après moi, moi ajouter ES. Est-ce que nous là, hein? Pour aller après moi ajouter ES. En aller, mes amis, en aller, en aller, en aller. Pas oublier de vous monter, faut voir une petite salutation. Fait même j'ai Solian, même j'ai Wilson, même j'ai avec Obligado Meyou, hein? Même j'ai avec RB, ok? Hein? On fait la genre. Hein? Ok, Glass? Ok, on fait le même genre, hein? Je dis, l'aime garder moyo, yo termine comme ça. Non, termine zon moyo. Ça veut dire non fin moyo. Par exemple, là, l'aime gen bout, non fin bout qui termine par K, moi ajoute S. C'est là qui fin, hein, ou là? Kounya, l'aime moi termine par S, par exemple, m'gagne bus, hein? L'aime vin l'aime dit bus en anglais. Ok? Ça, c'est bus. Kounya, l'aime dit bus, laisse ça m'gagne yon bus. Est-ce que nous là, hein? Merci, 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 hein? Toujours faire mon petit signe, dit hello, et qu'on dit yes. Un petit hi pour me connaître ou là avec, ok? Pour me connaître ou là avec et ou partager avec pour permettre le travail là avancer, hein? En nous encourager ça qui bon, merci, hein? Ok? L'aime bien la m'gien bus, je dis m'fok moi terminer par S. L'aime terminer par S, m'a ajouté ES pour me former pluriel li. Kouna, qui ça m'voye je m'envoye la classe? M'voye je m'la m'voye gagné bus, qui c'est bus, qui termine par S. Est-ce que Kounia elle m'a formé pluriel là pour me dire plusieurs bus, m'ka juste aller derrière bus ça m'ajouter S encore. Non, m'pa ka ajouter S encore parce que yo dit en anglais si mon gien terminé par S pour moi former pluriel dans mot ça, m'a besoin ajouter ES, OK? Et bien c'est que là classe, là m'vin la retirer S là, moi ajouter ES que n'am dit buses. Ok, kounya m di buses. Les sa m pale de bus, plusieurs bus. Est-ce que nous la glas? M di meni. Yo di m depuis moi terminé par S, SS, SH, CH, X, Z, ok? M'a ajouté ES, le m'a formé pluriel là, hein. M di premier coup d'œil moi fait mes amis, que très bienvenue, hein, de vous paraître fait si fait moi là, hein. M di premier coup d'œil m'a fait, regardez moi moi terminé par S, OK? M pa ka ajouter S, mais moi prale nan moi plutôt, moi ajouter ES. M te gagne bus, li vin mam buses. Est-ce que nous là, hein? Plusieurs bus, buses, OK? Kounya m fou l'autre coup d'œil encore. Yo di m depuis moi terminé par SS, pour moi former pluriel nan mot sa classe en anglais, moi vini là, OK? Moi a ajouter ES. Lèm vin la m di actress. Actress, c'est actrice. Est-ce que nous là, hein? Là, m'a parlé de fille qui a act là. Yo relé actress qui c'est actrice là. Là, m'a parlé de garçon, yo relé acteur. Est-ce que nous là, hein? Yo relé garçon acteur, OK? Garçon c'est yo acteur. Fille c'est actress. Est-ce que nous là, hein? Fille c'est actress, hein? Mon ça action fait c'est action de tout acte, le verbe agir. Dire la mouvementer, la faire des actions dans film, non? OK? Yo elle acteur, OK? Ça la fait, yo elle action. Est-ce que nous là, non? Action, OK? Dit un acteur act, hein? La fait action. Là, je dis, c'est fille, c'est actress, actrice. Mais depuis ces garçons, on me dit, acteur. Verbe là, c'est to act. Et c'est nous là, glace. Alright? Je dis, plus que je vois les là, je vois les là, moi, actress terminé par SS, par SS. Et bien, quand il y a pour me parler de plusieurs actrices, ok? Il y a plusieurs actrices, glace. Et bien, pour me dire, il y a plusieurs actrices, et bien, je me dis, glace, there are, regardez bien, there are many actresses. Est-ce que nous là, en classe? Dit there are many actresses. Il y a beaucoup d'actrices, ok? There are many actresses. Moi, aller derrière acteur, moi, ajouter ES. Très bien, très bien. Merci, merci, moun qui a partagé. Hein? C'est très bien.
Gen moun depi le monde tel tout partager. Pierre my friend, how are you? OK? On nous fait arriver sans mes amis parce que m'a prendre sans pour me faire quoi, c'est ou même seulement qui a pour encourager mais de pour monter partager, inviter moun, voyez moi inviter moun sur Messenger etc. OK? Même que gagne qui pas prêté, vous connaissez bon bagage qu'a fait, vous comprenez? Hein, gagne bon bagage, gagne moun qui pas prêté. Mais moun qui remet éducation depuis le river la prêté parce que nous a fait en langue nous, OK? En nous encourager ça qui bon mes amis, OK? There are many actresses. C'est cela hein? Kounya class, les mille acteurs qui c'est garçon hein, pour me faire mes pluriel li, just ajouter s, me dit actors. C'est cela hein? Actors, OK? Actors. Kounya m'a dit il y a beaucoup d'acteurs en français. M'a dit they are many actors, OK? There are many actors, OK? Il y a beaucoup d'acteurs, OK? Immédiatement c'est fioyé, on dit there are many actresses. Moi aller moi ajouter ES parce que moi terminé par SS. Est-ce que nous là hein? Mes amis, on nous rester pour nos petits anglais, nous sans gourmet bien très explicite hein. OK, glass. L'aime la connait encore gagne qui ça? Yo dit qui l'autre mot là, m'gagne un mot qui termine par SS que yo dit non hein, qui c'est actress. On vient par exemple là, l'aime venir m'dit waiter. L'aime dit waiter, m'parler de moun qui a servi moun dans avion, qui a servi moun manger etc. Yo le moun ça yo waiter, hein? Kounya class, si m'a parler de fille, yo le yo waitress. OK, qui ça me voye zoom là? M'garde moi well il terminé par SS. Plus que il terminé par SS, pour me former pluriel là, just ajouter ES. M'dit waitresses. Est-ce que nous là en classe? Kounya même j'aime gain actress, m'dit actresses SS. Kounya m'gain un mot qui terminé par SH. Est-ce que nous là hein? Le mot terminé par SH toujours classe pour me former pluriel là. Moi aller nan fin moi, moi ajouter ES, OK? Tout mot sa yo moi ajouter ES pour me former pluriel li en anglais. Pour nan mien un mot qui termine par CH, OK? Non SH premièrement. Me dit par exemple vini me dit brush, OK? Lèm vini nan parler de verbe là, me dit verbe là c'est to brush par exemple. Lèm dit to brush, il signifie brosser, OK? Il signifie brosser glass. Si m'a dit moi brosse dans moi, OK? Si m'a dit moi brosse dans glass, m'a just utilisé brush ça pour me dire I brush my teeth. OK? I brush my teeth, je brosse mes dents, OK? I brush my teeth. Kounya m'a dit moi brosse dents deux fois par jour, OK? M'a just dit I brush my teeth twice a day. That's what I glass. I brush my teeth twice a day. Hein? Dis, je brosse mes dents deux fois par jour. OK? Je brosse mes dents deux fois par jour. I brush my teeth twice a day. OK? Qui sont venus à la classe? Me dit teeth parce que me parlait de plusieurs dents. Là me dit mes dents. OK? Et c'est Pablien nous dit, gagner plusieurs façons de former pluriel en anglais. OK? Ouais, là, m'a dit, moi, brosse dents, moi, dit, I brush my teeth. Là, moi, utilise verbe là, m'utilise non là, qui c'est teeth. Mais si m'a parlé de you dans classe, m'a pas dit teeth. OK? Est-ce là, hein? Si m'a parlé de you dans, laisse ça m'a parlé de tooth. OK? Pour parler de you dans, moi, dit tooth. Ça, au bel coup pour ça, mes amis, en nous partager là. On fait quoi arriver sans moun, mes amis? Bel coussin, hein? En moi, Eric. Bienvenue, my friend. OK? L'aime bien, dit tooth. Laisse en parler de dents. C'est singulier. OK? Singulier. Ouais, tooth. L'aime parler de plusieurs dents. Kounya, il vient de moi, teeth. Qui est ma couffée là? Est-ce que l'âme va gon pluriel? L'âme gon pluriel. Kounya, l'âme, il y a un pluriel qui est le pluriel irrégulier. Est-ce que nous l'avons, classe? Ça, son pluriel régulier. L'âme gon pluriel irrégulier parce que les déformés mots net
C'est vrai, là, m'dégué, oh, oh, li transformé, là, eh, eh. Il m'a tif pour plusieurs dents. Est-ce que nous, là, en classe? Là, m'dit tif, m'balé de yon dents. Là, m'dit tif, m'balé de plusieurs dents. En suivant, là. C'est vrai, yon moun gagne plusieurs dents. Pas vrai? Là, la brosse, à combien brosse li brosse? Avec yon seul brosse dents, ok? Est-ce que nous, nous, à suivre, mes amis? Bel coup, ça, monsieur, pour m'pas gare 100 moun à suivre, coup, ça, là, hein? Je c'est vrai, je dis, I brush my teeth, qui signifie je brosse mes dents, je brosse mes dents, mon hein? Quand je dis, c'est vrai, mettez tes teeth là, qui c'est plusieurs dents. Mais quand je dis, je brosse mes dents, combien de brosse dents, moi, j'utilise, brosse à dents, moi, j'utilise yon sel. Et bien, quand je dis, pour me parler de brosse à dents, classe, je dis, toothbrush. Toothbrush. Pour qui ça c'est toothbrush? Parce que c'est vraiment qu'il y a plusieurs dents, mais je brosse avec une seule brosse dents. Est-ce que vous avez glace? Je dis toothbrush. Toothbrush, ok? Toothbrush. Est-ce que vous avez glace? Toothbrush. Qui c'est? Brosse à dents. En bon exemple, classe. L'aime bien une brosse à dents. Gagne un spy, moi utiliser, moi mettre là-dedans. Est-ce que vous avez? Le map utilisé, yon pat. Hein? C'est ça, yon pral utilise pat dentifrice. Ça, les sambral parle de toothpaste. Est-ce que nous la anglais? Les sambral parle de toothpaste. Parce que ça, yon c'est yon seul yoye, mais qui utilise pour plusieurs dents. Est-ce que nous la anglais? Hein? On a les mes amis, on a les, on fait quoi plus belle? Tant qu'on partage, ou fait le vivre ensemble, on quoi plus belle? Hein? On encourage ça qui bon, mes amis. Ok, en tout c'est ça qui est bon. Est-ce que nous avons glace? C'est ça que fait là, me dit brush, qui signifie brosse. Et même le glace, ça m'a mis dans la tête là. Si on a dans la tête là, il y a le hair, qui c'est cheveux, ma vraie. Hair, ok? Hair, cheveux. Est-ce que je peux compter les cheveux dans la tête, moi? Non, je ne peux pas compter. Laissez nous là, hein. Si ma brosse est cheveux, qui ça m'a utilisé, glace? M'a utilisé une brosse à cheveux, ma vraie. Et bien, nous avons dit hair brush. Hairbrush, please. I don't see my hairbrush. M'pa wè brosse à tête, moi, non? Hein? I don't see my toothbrush. M'pa wè brosse dans non? Hein? M'pa wè toothpaste là. M'pa wè pat là. Est-ce que nous l'avons là? C'est ça là, hein? Ok? Bon, vous comprenez très bien. Puisque brush terminé par SH, nous tournons dans le sujet principal là, hein? Puisque brush terminé par SH, eh bien, pour me former pluriel classe, pour me parler de plusieurs, eh bien, moi, ajouter ES, on y arrive une bombe, nous sont ears, une bombe, brushes. Est-ce que nous, on va commencer là? L'album Actresses, is, est-ce que nous là, hein? Actresses, is, waitresses, is, est-ce que là, hein? Brushes, is, brushes. Est-ce que nous là, hein, classe, hein? Yo dis encore classe, l'aime gagne un mot qui termine en anglais par CH. Hein, on doit faire la même chose, hein, pour former le pluriel, on ajoute ES à la fin de ce mot. OK classe, on vient là. Quand on gagne watch, OK, watch. L'aime parler de watch, nous parler de montre ou qu'on mette dans poignet toi, OK? Watch, ok? Watch. Hein? On parle de montre. Hein? Kounya, lem ven la classe, lem di verbe to watch. Lem di to watch, ça c'est regarder. Mais c'est regarder dans le sens de fixer le regard sur. Yon de cinq classes. To watch, c'est regarder dans le sens de fixer le regard. C'est pourquoi on dit I watch TV. Le wap gade télévision qui sont fait, ou fixe regard sous télé, ok? Ou you watch TV. Pas oublier, il y a aussi to look at. Hein? On a aussi le verbe look at qui veut dire aussi regarder, ok, classe? Watch, c'est regarder. Look at, c'est regarder. Hein? Mais il y a une petite différence entre watch et look at, ok? On utilise watch. Hein? Dans le sens de fixer les regards sur. Ok, Gléas? Et pourquoi on dit, hein? Watch TV. Depuis ma fixe les regards sur bagaille, on dit watch. Ok?
I watch, ok? Let me look at. Look at aussi, c'est le verbe regarder aussi. Regarder dans quel sens? C'est regarder dans le sens de jeter un coup d'œil. Dire dans le sunglass, c'est dans le sens de jeter un coup d'œil. You moun a passé là, me font un coup d'œil sous le lit. Moi, regardez, même pas fixé, était là, perdu là-dedans, même j'en ai m'a regardé télévision. Dire dans le sunglass, let me dire look at, c'est regarder dans le sens de jeter un coup d'œil. Ok, nous étions là, mais là on parlait de watch, qui est le nom, qui veut dire montre, watch. Quand on a l'air de watch, on parlait de montre, immédiatement on parlait de plusieurs, qui ça m'a fait classe, on parlait derrière lui, m'a ajouté ES, parce que le mot se termine par CH. Hein? Quand on a un mot qui se termine par CH, qu'est-ce qu'on doit faire pour former le pluriel classe? Pour former le pluriel, on allait à la terminaison, hein, hein? On fait quoi classe? On va à la terminaison pour ajouter ES, exemple, watch, watches, you understand? Watch, watches, plusieurs, you understand? Plusieurs, on dit watch, watches. Mais il faut pas oublier aussi classe, il y a le verbe watch ici. Quand on conjugue le verbe watch au présent de l'indicatif, pour le troisième personne du singulier classe, on doit ajouter ES. C'est pourquoi on dit he watches. Vous voyez, classe? He watches. Hein? She watches. Hein? She watches. Lorsqu'on a un verbe aussi qui se termine par S, qui se termine par SH, par exemple, lorsqu'on a le verbe laver, hein? Le verbe laver qui se termine par SH, hein? Wash. Wash ici, c'est le verbe laver, classe. Hein? Lorsqu'on conjugue le verbe laver au présent de l'indicatif, pour le troisième personne du singulier, on doit ajouter ES. Hein? C'est pourquoi on dit she washes. Est-ce que vous voyez, classe? She washes. He washes. Ici, on a watch. Et ici, on a wash. Ok, Gléas? Est-ce que vous voyez, hein? C'est facile à voir, hein? On dit, she watches, she watches, she washes. Ok? Wash, c'est le verbe laver. Ok? Là, m'a dit, laver, vaisselle, yo, hein? Eh bien, m'a dit, wash the dishes. Est-ce que vous voyez, Gléas? Laver, vaisselle, yo, m'a dit, wash, ouais? M'utiliser wash, qui est le verbe laver, wash the dishes. Est-ce qu'il y a un glace? Wash the dishes, ok? Dishes, c'est vaisselle. Ça veut dire vaisseau, yo. En nous partager, mes amis. Petit ça, depuis qu'il fait là, un travail sérieux, partagez-le. Parce que, les rarement pour jouer ça qui sérieux, à faire sur Internet là. Parce qu'il y a une belle ambiance, vous comprenez? J'aime nous pas intéresser avec bagaille qui sérieux, vrai. L'on joue ni encourager, ok? Passez, abonnez à la page là. Invitez vos amis à abonner pour venir suivre ça à 8h, 9h du lundi au vendredi. Hein? Watch the dishes, c'est laver vaisselle, yo. Qui constant fait la classe? Il y a des choses là, hein? Qui c'est plusieurs vaisselles. Mais là, il y a au singulier qui s'alban moins, il y a moins dish. Ok? Lem gen au singulier, li ba mwen dish. Alright? Ouais? Qui c'est vaisselle? Mais lem gen plusieurs, kou nyam dire dishes. Est-ce que là? Qui ça me fait là? M'alle après nous là, nan fin, mwen ajoute ES parce que m'a parlé de plusieurs. Hein? Voici comment former le pluriel lorsqu'on a un mot qui se termine par SH en anglais. Vous voyez, glace? Dishes. Wash the dishes parce que c'est plusieurs. Est-ce que là? Vous n'allez les mon dit ou États-Unis ou a fait dishwasher, ok? Mon dit ah est allé dishwasher la fait, ouais glace. Ah est allé dishwasher la fait. Ça veut dire dit mon ça qui ça l'a fait, son monde qui a travaillé au côté la laver vaisseau. Mais mes amis, il y a pas de son métier, hein? Il faut travailler pour vivre, hein? Si vous voulez vivre en paix, hein, sans aucun problème, qui soit fait, ou de souhait pour gagner de l'argent. Par règle, c'est important, hein. On dit, ah, t'as l'air de chercher la fête, qui va essayer de la régler. Non, on comprend, c'est comme la fête, c'est là où on a fait ça, mal ou critiqué, là, mais là, faut mon bagage, il a travaillé, puis il a pas l'argent, là, cela, hein. Mais quand je m'en cherche, je me suis fait arriver aux États-Unis, c'est des choix chers d'affaires. Est-ce que là, hein? C'est des choix chers d'affaires. Ça veut dire, il t'a blavé. Merci. Merci avec Mounsa qui a voyé le ticket, qui a encouragé. Fredo Simon, je ne sais pas quoi, M. C.
sérieux. Frère Simon, on avance, hein. Why he has to put to the ED. Hein? Qui bon ED, hein? Let me see. I don't see where. Moko wè, non? OK. David Senatus, bienvenue. Frère Simon, dude. Gotta be on crack on some. Ok, bon, moi pas quoi. Fredo sinon dit, regarde. David Senatus. Ok, mes amis, on nous suit plutôt. Hein? Brushed. Ok, l'on dit brushed, le au passé. Hein? Ou que t'en fais déjà exer. C'est le passé. Hein? C'est le passé, très bien. Mais il faut pas oublier, glace. Il faut pas oublier. L'on dit brushed, laisse ça, le au passé. Le au passé. Mais nous pas parler de passé, mes amis. Hein? Kouna, si c'est hier, on te brosse dedans, c'est hier matin. On a dit, yesterday morning, I brushed tant. La bêtise son temps pour montrer que lui au passé, les salles vont l'écrire comme ça, hein. Elles sont bonnes. Hein, les salles brushed. Hein. Et on suit, souvent, on vient sous négativité, pas occupé, les, pas occupé, les. Tout le monde spécial qui a suivi, yon baray sérieux, de pour on vient pour le disturb, yon le moun sa yon, yon vini disturb, hein. Moun sa ki salvin fe glas, li vin disturb. Ok, gade mi salvin fe ou. De pou el vin disturb ou pa okipe la, right? Ok, la vin detounon sou sa wa fe. Hein? Pa ki to disturbed by someone. Pa ki to distrait by ou moun ki ap vin, ap vin derange ou, ok? Pa ki to, de pou el moun sou baye negatif, fe kom sou pa ou el kite el suiv, apre sa l prale pou kol. Ok, you understand? Nou pa vin nan... parler en pile n'a fait un bagage sérieux ou même ou ça qu'a fait là li bon ou marcher avec lui on sait sous paraît tout pas venir déranger moun qui a suivi ti ça qu'a fait là parce que n'a prend du temps pour nous expliquer ça là bas là pour moun yo bien comprendre ni pas venir déranger moun yo mes amis hein on arrive hein de pour moun nan du bagage ou pas un besoin occuper là on pousse nous même. Yari, my friend, tu sais pas te mettre la cash app PayPal zéro. Not really. Non, on connaît ça qui pourrait facile, pas que nous supporter. Mais nous voilà, on nous pousser, j'en ai fait là en direct, j'en ai fait dans groupe WhatsApp là tout, vous comprenez? J'en ai gagné un bel petit groupe WhatsApp, côté que nous a fonctionné avec des monde civilisés qui voulaient pratiquer anglais, vous comprenez? Ni ban nos numéros, nous entrer dans petit groupe, nous régler à faire anglais seulement. Nous pas gain politique, nous pas gain rien, vous comprenez? On a fait le même genre, on pousser, hein. Quand la glace, ouais, bon chance c'est passé, c'est passé. Quand on a dit c'est H, nous pas prendre l'autre mot qui c'est CH qui c'est watches. Je dis même genre l'aime gagner un mot qui termine par X, OK? L'aime gagner un mot qui termine par X aussi classe pour me former pluriel dans la donne, OK? Ou même pas occuper monde de vous paraître juste partager affaire et puis suivre quoi, hein. Pas occuper monde, hein. OK glace. Yo dis aussi glass, l'aime gagner un mot qui termine en anglais, l'aime gagner un mot en anglais qui termine par OK, gagner un mot en anglais qui termine par X en anglais, me fait même bagaille là. M'aller dans moi, moi ajouter ES, OK? M'bon un exemple, un verbe doux parce que pas seulement gain verbe dans troisième personne au présent yo, il faut ajouter ES aussi. Ici classe, nous parlons de X. Yo dit même moi terminer par X, moi va faire même travail là. Moi aller dans moi, moi ajouter ES, gain box. Box c'est bras, OK? C'est bras, yo le box. Quand on aller m'a parler de plusieurs, on dit boxes. Ouais, is boxes. Boxes, ça c'est you know. Quand la classe comme ça, tu m'as gagné un verbe qui termine par X. Par exemple, as, l'envie là me dit to fix. Ok, l'envie dit to fix, qui signifie arranger. Ok, me dit I fix my car. Ouais, I fix my car. Ouais, I fix my car. Me dit moi ranger machine moi. Qui ça moi là? Moi verbe moi là qui termine par X, hein, le verbe fix, OK? Quand elle me dit I fix, là moi vais dans deuxième personne singulier. Qui ça m'a dit? Me dit you fix.
Est-ce là, ouais? You face, ok? Les mots viennent en troisième personne singulier qu'on a appelé as. Je dis, pour troisième personne singulière, plus qu'elle termine par it, m'a ajouté es. Et bien, qui ça me fait là? Me dit, she ou bien he fixes. Est-ce là? He fixes, ok? Fixes. M'a ajouté es parce que m'a en troisième personne singulier. Mais si c'est au passé mieux verbe là, pas de question de ES parce que les mieux au passé classe la bombe fixe. M'ajouter ED parce que son verbe régulier, OK? Les verbes réguliers se terminent par ED, OK? On dit fixe. Si c'est hier ou bien semaine dernière ou bien mois passé, me déranger machine là, laisse ça m'a utiliser fixe qui au passé. On dit I fixed. Okay, I fixed my car last month. Ouais, le samedi, I fixed my car last week. Ouais, I fixed my car last week. I fixed my car last week. Ni gon ti son ta. I fixed, c'est ti son ta qui fait yo konnen que li au passé. Ouais, le samedi, fixed. I fix pour ça, yo ki tawèm nan présent parce que pas tant de ti santé a. Ndi I fix, OK? I fix. Mais là me dit I fixed my car last week. Yo ki tan wè que mwen nan pa, mwen nan passé, ouais? Parce que l'an passé classe pas une question de ajouter s parce que verbe la prêté même genre là pour tout pronom yo, OK? Mais là me dit fix là, là me vient en troisième personne, m'a pas ajouté es et pas seulement dans nom yo, là au comme ça m'a ajouté es mais pour le verbe yo aussi, OK? Me saute bon un verbe qui c'est verbe watch, qui c'est verbe regarder, me saute bon verbe laver aussi mais ni là me en troisième personne, m'a ajouté es, OK? Me dit she, ouais, she washes, OK? Nous devons un exemple là, là ça verbe la vient transformer comme ça es, OK? Washes qui c'est le verbe laver, OK? Ouais, box, mais ajouté ES, qui c'est boîte, plusieurs boîtes, boxes. Ouais, buzz, ok, buzz, ok. Quand on a vu la classe, on a un buzz qui termine par Z. Eh bien, même bagaille, ok. Même bagaille, depuis le terminé par Z, moi ajouté ES, ok. Quand on a donné le buzz, hein, là, on a dit buzzer. Buzzer, buzzer, par exemple, ou après, Jijo gen yon ti cloche ki sou tab yo toujours sonne kling kling, c'est li yon le buzzer, ou bien ouais yon ti cloche ki sou tab la moun nan pese le bling, yon le buzzer, ok? Yon le buzzer, ok? Buzzer c'est son, ok? De m'bale de plusieurs koun ya, mwen ale, mwen ajoute ES, selon la anglais, mwen ajoute ES pou m'forme plus rien lié, mais pas oublié, c'est pas seul nom qui apparaît comme ça, ou abjoint des verbes qui paraît comme ça tout. Laissez verbe ou faire même bagaille là pour troisième personne temps présent. Est-ce que nous là, Glass? Hein? Est-ce que nous là? Chrissy, tu es là? Thank you very much, Oliane. Thank you. Hein? Y a mon qui a encouragé le travail là. C'est mon saillot qui permet de prendre force. Hein? Mm, tu sont ta c'est dans le dictionnaire président Aristide Moïse. Oh, mes amis politiques entre là. On allez, il y a un petit gros nom mon. OK Glass, est-ce que tout le monde comprend? Me dit pluriel régulier yo là. Just aller m'ajouter s dans mot ça yo, OK? Ouais, mot ça yo pas mandé en pile bagaille. Ou seulement ajouter s, bien facile hein. M'ajouter s, ouais. Hein? Pen, pins, book, books. I, eyes, ouais. But, buts. Est-ce là, hein? Bien facile, moi ajouter S, ok? Dis, les mots terminés par S, SH, SS, SH, CH, X, Z, moi ajouter ES. Très facile. Quand on a classe, ok, on vient là. Il y a un mot là encore qui termine par X qui c'est wax. Wax, ok? Wax, hein? Thank you, teacher. Ok, don't mention it, NB, ok? Wax. Là, moi, je fais non wax, ok? Mon avis, non, petit coup qui a bien détaillé dans l'anglais, sans gourmet, ou bien, ouais, moun qui a fait là, li au moins, gagne un petit bail dans sa affaire, eh bien, on suive li, nous partager, fait travail arriver loin, vous comprenez? Poussel, hein? Moi, j'ai moun qui a fait un bail jouet,
qui vini qui ni paraît mon ami pas il partager lui li pa li ou moun ki a fè ray ki pa même utile li rien li prend 4 heures temps la garden parce que moun li pa ki ban rien ko petit li demain ou bien rien côté le ka dit ni petit li les petits ka pa li dit a pas même konde vrai anglais oui yo dit mettez mot ça au pluriel mais yo terminé par s s s c s h c h li pa dit rien mais le chita la garden ba ki pa petit rien on nous garde ba essayer on nous encourage ba essayer mes amis hein. Moi sur internet là chaque jour tout moi ouais pas en pile hein. On allait hein. Ou nan di wax, lèm gen wax la, mwen ale nan wax, mwen ajoute, e S, wax la, se si, si ou et balen nan, si nan balen nan, eh? Se li ou ele wax, ok? Se li ou ele wax, ok, glas? Di lèm vi nan bas, se bus, actress, se actrice, brush, ki se boss, baz se son ou ele, nan ti cloche gen ba, yo ele baz yo, watch, ki se mot, box, ki se boîte, ok? Wax qui c'est si ou alors limé balen nan sa kap boule a kap descend nan c'est même le wax OK ça so, kap boule lor limé balen nan kap descend nan hein gom nan c'est le même le wax OK pour la classe nous pral passer notre troisième partie dans pluriel là partie ça extrêmement important classe extrêmement important nous pral bon des petits détails qui pral faciliter comprendre ni côté que ou pas goumer depuis moi apparaître ou pral comment pour ou pral comment pour former pluriel ou sans goumer hein. On a les classes. Nous parlons qu'on y a pour mot qui termine par Y. Pabli, essayons pile les classes. Ça a son petit calume pour là-dedans. Hein? De bien sûr, même après un ratio, ok? Hein? D'après un ratio, ou même qui va bien comprendre aussi. Au bon, ou abdim ça, hein? Ok? On a les classes. On regarde. Vin la qu'on y a, yo dim, les mots qui se terminent par grec, ouais? Pour me former pluriel, yo, qui ça a fait classe? Li change Y là en ni. Premier bagay li fait, attendez, premier bagay li fait, li change Y là en I. L'elfin change Y là en I. Et puis, kounya m'a ajouté ES. Est-ce que nous l'avons, glace? Di premier bagay li fait, ça lié. Li change Y là en ni. Est-ce que nous hein? Qui premier bagay li fait, glace? Li change Y qui te nan moi en ni. Et après, qui ça le fait? Li aller dans il y a li ajouter ES. Exemple. On suit bien classe. On suit bien, très bien hein. On nous partager hein. Ça fait pas arriver sans là hein. On aller, j'aime moi étudier mon travail là, hein. C'est mon yo qui pas tellement sous ça vrai mes amis hein. Real talk, good. Thank you. Faut nous chercher côté. OK, pas quitte Fredo parler, on pas Fredo non. Pas quitter Fredo distrait nous mes amis. Là nous elle écrit pas occupé là n'allez. Yo dis mounya, les mots qui terminé par Y, m'a changé Y là en I. C'est nous là hein. Et puis m'a ajouté ES. Voilà, m'a ajouté ES. On allez. On regarde la glace. Yo dis qui là m'a fait ça? Mais sans besoin suivre. Suive bien. Là m'gagne Siri. M'écrit le grand lettre. Parce que m'bral font petit détail là qui pral permettre ou est vraiment comment on forme pluriel là hein, c'est pas tout mot qui termine en Y, m'a ka ajouté I, m'a ka changer Y là en I et puis pour m'ajouter ES. Suis bien. Mes raisons qui a fait me connaître comment pour me former pluriel les mots terminés par Y. Suis bien. Premier bagage m'a fait classe, m'a fait un coup d'œil. Moi Siri, OK? Premier coup d'œil m'a fait m'a voyé je me devant Y là. OK? Regardez bien. L'aime voyé je me devant Y là classe. Moi je me devant Y là là. Moi là gagne un T. C'est nous là hein. T yo yo le yo comment en anglais? Yo le yo consonant. C'est nous là hein. Yo le yo consonant. Là nous dit consonant là yo le yo consonne. C'est nous là hein classe. Si l'aime voyez je attendez bien l'aime formé pluriel l'aime mot qui termine par y yo on suit belle petit pour ça pas occuper monde qui vient distraire nous hein pas suivre classe là ou pas passer non ouais ouais Fredo c'est type vient tu vois ça d'où sous pas suivre classe on pas passer on aller c'est type là petit m'a révolé avec qui t'es type on suit nous même dit l'aime là me dit Siri me dit premier coup d'œil m'a fait pour moi est-ce que m'a changer y là en mi l'aime fin changer en i pour m'ajouter ES,
m'pral tenir compte de voyelle et consonne. OK Gléas, qui ça nous te dit? Nous te dit qu'il y a 5 voyelles au Gléas, qui c'est A, E, I, O, I. Est-ce que nous là Gléas? L'aime venir moi voyelle yo, mes voyelles yo. Est-ce là? Tu as suivi? Nous dit m'pral suivre yo bagaille là. On suit petite étude ça hein. Très important Gléas. L'aime former pluriel. On suit petite étude là. Yo dit m'gagne Siri qui termine par Y. Pour me former pluriel li, pour me connaître si m'a ajouté S après Y là ou bien si m'a retiré Y là pour mettre I et S. Faut me tenir compte devant Y là. Pour moi devant Y là, est-ce que gagne un voyelle ou bien un consonne? Est-ce nous là hein? Moi voye je me devant Y là là, mais Y là est-ce là hein? Moi voye Y là là. Moi voye je me devant Y là, moi T qui c'est T qui c'est un consonne. Est-ce là hein? Depuis Y là suivi d'une consonne, li gagne ça suivre là c'est un consonne. Eh bien, laisse ça, m'a changé Y moins en I, et puis m'a ajouté ES. Qui m'a fait ça, Cléas? C'est l'envoyé je moins Y là, qui gagne une consonne qui suit lui. M'a bon un exemple, hein? On suit bien. Pour qu'on comprenne plus bien, on allez. Pabli, on bête si vous m'a bien détaillé là où, vous avez besoin de faire pas quitter le monde qui a dit ça, on allez. M'a détaillé là où, hein? On allez. Exemple, Cléas. Là, suis-moi. Mal bon exemple, hein? Ok, on garde glace. Yo dis, le mot terminé par Y, qui pas qui mot ça a terminé? Play terminé par Y, pas vrai? Yo dis, pour me connaître, est-ce que m'a éliminé Y là, pour m'ajouter I et S, qui coup d'œil m'a fait glace? M'a voué, m'a regardé, est-ce que Y là, est-ce que devant Y là, il y a une consonne? Ou bien une voyelle. Si devant Y la gagne une consonne, m'a changé Y la en I et S pour me former pluriel là. Est-ce là Gléas? L'envoyé je me dans Siri, moi devant Y la gagne une consonne, et bien pour me former pluriel là là, m'a éliminé Y là, m'a remplacé le par I et puis m'a ajouté ES, I et S. Pour qui ça me fait comme ça? Parce que devant Y là c'est une consonne. Est-ce que là, hein? Vous voyez comment bien prendre un bumba? Bienvenue, Miklin. Bienvenue, Miklin. So. Serious. Oh, good, serious, good. Ok? Quand on a plus que là, les suivis de yon consonne, et bien, me dit serious. Est-ce que là? Pour qui ça me dit serious? Mais éliminer Y là, m'ajouter I et S, parce que ça que devant Y là, là c'est une consonne. Est-ce que suit bien? Parce que devant Y là, c'était yon consonne. Plus que c'est une consonne, moi ajouter I et S. Un bon exemple là. Quand on a l'envin là, regardez moi play terminé par moi play terminé par you par Y. Pour me voir li au pluriel. Est-ce que m'a retiré Y là là pour me dire par exemple pour me dire play assez like this. Non, m'pas capable. Ça que fait m'pap capable Gléas, c'est parce que règle là dit moi faut m'voye je pour moi est-ce que devant Y là c'est une consonne? Si c'est une voyelle qui devant, eh bien Gléas m'a juste ajouté S like this. Est-ce nous là hein? Pour me regarder si c'est S m'a ajouté derrière Y là, m'va regarder est-ce que Y là c'est une voyelle qui devant lui. Est-ce que nous là mes amis hein? Thank you, ouais, hein, exact, très bien, Christian. Hein? L'envoi et j'aime là, moi play, plus que play la classe, l'envoi et j'aime moi devant Y là, c'est yon voyelle, bien plus que c'est yon voyelle, m'pa ka éliminer Y là pour m'ajouter I et S, m'a quitté le Jean Lier, moi ajouter S. Est-ce que ou la en classe? Kounya, on garde yon l'autre exemple, hein, l'envoi la classe. Un bon exemple ici, hein? Fly. Qui ça moi là? Moi fly. L'envoyé je moi fly, hein? Si me la m'a dit she fly. Kounya pour me former pluriel là, par exemple,
qui ça me prend tenir compte classe. Vous regardez est-ce que y là ça qui devant y là c'est une consonne ou bien si c'est une voyelle. Me pour résumer là bao. Regardez moi R, là moi R me dit R c'est une consonne. Et bien plus que y suivi d'une consonne, et bien pour me former pluriel là, m'a éliminé y là, m'a ajouté IES. Qu'on a me dit she flies. She flies. Est-ce là hein? Nous dit she flies. Pour qui ça? Parce que y là, il est suivi d'une consonne, hein? Puisque y est suivi d'une consonne, moi éliminer y là, moi ajouter IES. Est-ce que tout le monde là hein? Mais là, on fait même bagaille là. Parce que Y là, suivi de yon consonne, moi retire Y là, moi ajoute IES. Même j'en l'aime bien, m'a dit country. Ouais, country. L'aime dit country qui c'est pays. Pour me parler de plusieurs pays, m'a fait même coup d'œil là. Pour me connaître, est-ce que m'a juste ajouté S là? Ou bien, m'a retire Y là, m'a ajouté IES. M'a tenu compte de ça qui devant Y là. Est-ce que nous là, hein? Moi vous voyez j'aime devant y là pour moi est-ce que devant y là c'est une consonne ou bien une voyelle l'aime voyez j'aime là moi ouais c'est r qui c'est une consonne et bien plus que c'est une consonne qui là pour me parler de plusieurs pays me dit countries pendant des sons yo hein countries cities flies, est-ce que nous avons une glace? Flies, countries, cities, do you understand, glass? Verita Nelson, thank you very much, share the life, please, ouais, mais qu'on dit partager, ouais, mon qui remet éducation, hein, depuis le pas être non live, déjà, ouais, ou après, tu as l'abdou, thank you. Tu as l'abdou, merci. L'abdou, very good. L'abdou, ça fait comment il faut faire. Ok. L'abdou, ouais, l'abdou, I teach you. Je n'en. N'oubliez pas passer sur page là. Abonnez, mes amis. C'est un bel travail. Moi, disposé. Vous comprenez? Moi, non seulement disponible, disposé. Pour moi, bah, au bel coup anglais ça. Depuis, il fait 8h, 9h. C'est ça que vous faites seulement, hein. Hein, moun ki te parle de kachap, m pa mande au kachap, m pa mande au PayPal, m pa mande au Zelle, sa l sa mande au c'est monter, partager, éviter plus moun vi Noël. Avec qui ça m ka mande ou encore? Vous prenez ou est-ce yon jeune qui décide pour nous faire un bel travail? Plus m gen yon canal YouTube, hein? M gen yon canal côté m la gen belle ti vidéo anglais, des techniques qui a montre ou parler anglais. Plus facile quand on capte poser une question ou comprendre disponible pas seulement là gueule et puis ou capte poser une question comprendre qui c'est si tu es mal les branches on dit air vous comprenez et seulement ça demande ou passer sous chaîne YouTube moi hein comprendre font si quelle vidéo bon un petit abonné un petit comment ça seulement pas demande ou PayPal Cash App etc vous comprenez c'est là seulement ou pas soutenir c'est passer sous chaîne YouTube là mes amis gagne pile monde qui pour jamais passer gagne grand monde qui passer faut passer ouais hein parce que j'aurais m'a fait live là sur Facebook là m'ta remé faire sur YouTube pendant sur Facebook m'ai deux appareils une sur YouTube une sur Facebook hein faut aider moi vers 1000 monde pour me faire est-ce là hein parce que sur chaîne YouTube là encourager dit que tout jeune qui a font petit travail comme ça ça pas rien me passer sur YouTube là m'balion abonné yon like comprendre ou encourager me ça me dit waouh hein moun yo avec moi encourager me faire est-ce là hein merci avec vous même qui déjà passé fait ça hein OK là c'est ça tout monde ouais qu'on a l'envin là on dit mot qui se termine par y change y là en ni et en ajoutant es vin là on dit cities OK countries est-ce là countries penny OK ça c'est pièce monnaie ça veut dire on a parlé de pièce monnaie c'est ça qui penny OK le bilan comme dit army c'est armies qui signifie armée OK le bilan comme dit spy ouais spy tout ça yo wa font seul coup d'œil wa voyez yo ouais y là hein devant gagner une consonne vous voyez yo là ouais y là devant gagner une consonne là vous voyez yo devant gagner encore devant gagner une consonne hein
L'ovoyez yo devant yon gen gala encore, devant gen yon consonne. L'ovoyez yo encore, devant gen yon consonne. L'ovoyez yo devant encore, devant gen yon consonne. Plus que tout ça, c'est comme ça, eh bien, Y la changé en US. Ouais. Countries, pays. Penis, qui c'est pièce monnaie. Pièce monnaie, pièce l'argent. Hein? Army, qui c'est armé, ouais. Armies, ouais. Spy, qui c'est espion. Là, on a parlé de espion, ok? Spy, ouais. Spies, ouais. Comment le former plus yali? Parce que devant Y la gagne, yon P. P a qui c'est consonne. C'est ça, là, hein? Dirty, ouais. Vin la m'di même bagay la, dirty is, ok? Qui c'est de voix, vous comprenez? De voix, et pas de voix, les m'a parlé de devoir maison, non? Ou qu'on donne de l'amour d'où son droit, yon devoir gagner pour aimer pays, ok? Et c'est non la règle, c'est li ça, hein? N'a m'gade dans tout mon sa yon m'fait, même coup d'œil là, qui coup d'œil m'en fait? Coup d'œil m'en fait, hein? M'vous résume, m'en ouais, Y m'en, qui suivent d'une consonne. Kounya rapidement nous parlons au sentiment hein qui côté que Y la pas suivi d'une consonne. On regarde, nous on prend un exemple avec play. N'a pas que play là hein, n'a pas que play la classe mes amis. Bon moi love là sous canal là et me pousser hein, ok. Kounya on dit lorsque Y ouais l'aime dire Y la classe suivi d'une voyelle. Ouais. Lorsque Y est suivi d'une voyelle, on ajoute S. Seulement ajouter S. C'est ça, hein? Un exemple. Boy. Est-ce qu'on suivait classe? On allait là. L'aime bien boy qui c'est garçon, bah oui. Boy. Moi, je fais un constat là. Pour moi, est-ce que ma. Étirer Y ça pour m'ajouter IES ou bien est-ce que m'a seulement ajouté S? On fait un coup d'œil hein. Là moi je résume, moi ouais Y là suivi de O. Ça oyé. O est une voyelle. Plus que O c'est une voyelle pour me former pluriel la classe non boy, OK? Me seulement ajouter S. Boys. Est-ce que nous sommes là, hein? Est-ce que nous sommes là, classe? Hein? Qui ça va me faire, classe? Nous seulement aller, moi ajouter S, pour qui ça? Parce que les mots, je me dis Y là, moi là, Y là, suivi d'une voyelle. C'est même j'avais avec play, là, me là, c'est même bagay là, ok? Je me dis please. Pour qui ça? Parce que moi, je me dis Y là, gagne une voyelle devant. Est-ce que nous l'avons classe? Depuis que je vois une voyelle devant, et bien pour former pluriel la classe, c'est très facile, juste ajouter S. Est-ce que tout le monde l'avons classe? Est-ce que nous l'avons? Est-ce que nous l'avons? Est-ce que nous l'avons? Est-ce que nous l'avons? Hein? Est-ce que nous l'avons classe? Hein? Est-ce que tout le monde comprend? Hein? Ok? Un exemple classe. L'aime bien là encore classe. M'dis moi ça par exemple qui c'est aller. M'dis qui coup d'œil moi fait encore ça, c'est là parler de aller, vous comprenez? Là parler de aller, un couloir, etc. Hein? L'aime dit aller anglais. L'aime voir les jeunes là dans une règle ça moi. Moi là j'ai i devant qui c'est e, qui c'est une voyelle. Et bien pour me former pluriel là, c'est simple. M'juste ajouter s. Est-ce que nous l'avons classe? Just ajouter S, bien facile, hein? Bien facile, hein, classe? Hein? L'aime là encore, classe? Par exemple, m'dit day. Ouais? M'dit day, qui se joue? Hein? Qui coup d'œil m'a fait encore? Pour me former pluriel là. M'voyez, moi, day terminé par Y. M'gade qui ça Y la suivi, c'est yon, voyel. Eh bien, m'just ajouter S, m'dit days. Est-ce que tout le monde ouais, classe? Est-ce que tout le monde voit classe? Hein? Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que tout le monde comprend? Mais là encore classe. Prends-moi ça encore. Prends-moi ça encore hein. Dit tray. Tray, hein? Laisse-moi je encore moi. Tray, laisse-moi dire tray. Qui ça moi encore?
Moi là, Y là, dès qu'il s'est suivi de yon, voyelle. Mais pour me faire mes pluriels là, me faire même bagaille là, me dit trace. Seulement ajouter S. Trace là, c'est plateau. Plateau, ok? C'est plateau, classe. Plateau. Ouais. Allez, c'est aller. Boy, garçon. Est-ce que vous comment vous formez là, non, mot qui terminé par Y, yo. Ok? Demain, si je veux, nous allons détailler pour vous comment vous formez pluriel. Ok? Nous pour un pluriel irrégulier. Yo. Même j'avais petit mot, ça me saute pas où t'as l'air. Là, bon, une liste de mots qui font ça. Hmm? Par exemple, là, ouais, touf. Hein? Pluriel, c'est tif. Yo, elle est ça, pluriel irrégulier. Les moi par exemple, main. Hein? Ou elle a dit main. Hein? Elle m'a parlé de monsieur, elle m'a dit main comme ça. Hein? Qui c'est, yo, monsieur. Elle m'a parlé de plusieurs, lui change pluriel, lui en est. Ouais, main. Ça y aurait les pluriel irrégulier. Et puis nous après aussi, comment on forme pluriel dans un mot qui termine par. Dans un mot qui termine par oyo class en anglais. N'a détaillé, montré aussi qui est ma ka ajouter S et qui est moi pas capable ajouter S là-dedans. Mes amis, moi remercier exact avec mot qui termine par F, qui termine par F, par F E, vous comprenez? Mot qui termine par exact, bien en pile, très bien Christian, bien en pile, en pile, en pile. Nous avons fait même bagarre à Ronel, tu es en train de faire un bon travail. Hein? You are doing a very good job. Thank you very much, my friend. How are you doing? Hmm? I know you are doing a very good job too. Huh? Thank you very much. Okay, my friend Ronel is doing a very good job too because he got class on Facebook and YouTube too. Alright? He got it twice a week. Thank you very much. Okay? C'est même bagarre, mes amis. Pas oublier, une seule façon qu'encourager, c'est voyez des amis venir. Abonnez à la page là. Passez sur aussi YouTube. T'es que si tu es mal branché on dit air ou après bel travail à faire côté que nous a fait un bel travail pour monde qui voulait enjoy en anglais ou cap poser nos questions etc. Hein? Merci le fait qu'on choisit suivre mal branché on dit air le web suivre coup ça même sur un monde venu où elle a parlé de bail qui pas bon nous pas dit la jouer non la dit les bagages qui pas bon pas occupé pas répondre bon sou répondre ou bali ou paquet avantage sou pas occupé hein seulement mettez dans ça va faire en suivre pas occupé moun qui vini qui a voye monter après ça va prendre la pri la jouer vinn jouer lui même comprendre parce que gen moun ki poko jam comprendre la vie ouais li wè tout bagay facile pou li hein li wè tout bagay facile dans tout ça qui important li vini pou li gaye won nan c'est cela hein moun sa yo jan rele yo m'pa di nan live la m comprendre. Yo di moun sa yo des fois yo moun ki rele yo poule ou konprann ki vinn gaye manje même l'el pa manje l mais vinn fè deux autres là-dedans mais pas occupé yo toujours songe ou avèm m'avèl n'a marché ensemble mais dans la main n'a continuer fonctionner tout d'autant bon Dieu ban nou la vie nous gagne un bagage nous ka partager en nous partager merci le fait qu'on t'ait choisi suivre si tu es mal branché on dit air yon bel coup anglais qui passait du lundi au vendredi de 8h à 9h du soir live sur Facebook hein merci à vous même qui t'es prend temps qui partager live là qui vivait live là dans plus qu'une centaine de partages merci vous comprendre Fredo aussi nous dit nous devons cacher petit tueur. OK Fredo Simon. Ouais Fredo Simon qui t'a joué. Fredo Simon, ouais son bar sérieux. Vous comprenez l'étape t'a faut jouer. Ou dans ça dit la cunia. Ça veut dire son travail payant m'a fait. OK, thank you Ronald. Hein, lui ouais son gros travail qui méritait payé. Vous comprenez? Mais nous pas qu'on la nous pas qu'on la Fredo. Ça va arriver un jour, vous comprenez? Il y a des gens qui sont tellement rien quoi qui à l'aise. Qui choisit faire quelque chose, mais nous va demander moun pour faire ceci, faire cela. Hein? N'a demandé moun yo là, partager, passer sur YouTube là, t'es que si tu es mal brachon d'hier, aider nous pour ces pages là, pour nous arriver au moins 1000 moun, pour nous avancer à travers là. Merci le fait que tu as choisi suivre si tu es mal brachon d'hier, moi salue tout moun en général qui choisit suivre quoi, Mary Command, bienvenue, qui t'a choisi suivre quoi avec moi. Comme toujours, hein, merci avec Soliane, Enrique, Ronald, my friend, my family, vous comprenez Yolande, Fredo, qui l'a avec moi, Andy,
vous comprenez François, Christy, qui va jamais rater nous, Wilfried, etc. Ou même non pas citer qu'on est toujours là, parce que vous êtes là dès le commencement. Commencez pour ce travail-là, on continue pour ça. Merci et enjoy. Bagay mou pou mdou merci hein. Continuez à partager, invitez moun vin suivi. C'était avec vous, Teacher Malebranche on the air. Thank you, seeing you tomorrow at the same time from 8 to 9 p.m. Bye bye.